Eh bien bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve pour du Watch Dog, donc je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors tout simplement parce que aujourd'hui c'est une vidéo spéciale avec mon nouveau Behringer, donc le nouveau micro que j'ai pu m'acheter, donc voilà. Je tenais aussi à vous remercier pour les 225 abonnés. Bon, à mon avis, quand la vidéo va sortir, on sera sûrement à 230. Mais bon, je préfère remercier. Donc, au cas où qu'il y ait plus de 200 personnes sur ma chaîne, et ben, qu'est-ce que je raconte? S'il y a plus d'un certain nombre d'abonnés qui sont arrivés entre temps, et ben, bonjour à vous. Et puis voilà, donc je suis heureux. Donc, on en était où? Donc, il y avait Damien. Notre cher collègue qui veut se remettre avec nous, et nous ne voulons pas. Donc je crois que on sait toujours pas si Maurice va bien ou pas. Donc voilà. Alors je vais laisser la musique en arrière-fond. Mais par contre, du coup, les amis, alors je vais rapprocher peut-être un petit peu le micro, voilà. Comment dire? Pour savoir si j'ai les droits d'auteur ou pas, voilà. Donc vous aurez de la radio cette fois-ci, sinon je la couperai pour les prochains épisodes. Et puis voilà, alors, j'espère que vous m'entendez bien. Le son doit être un peu plus, propre en fait. Voilà, ici il est un peu plus propre et ça sera mieux pour vos oreilles. Il n'y aura plus ces bruits de PPP, enfin voilà. Ces bruits un peu parasites, voilà. Alors le jeu est toujours en ultra, magnifique, voilà, on se rince les yeux. Voilà, allez, hop. Alors vraiment, ce Watch Dogs, avec ces graphismes-là, je prends un plaisir pour d'y jouer, mais c'est hallucinant, voilà. Allez, on va aller faire cette petite mission pour nous. Alors je sais plus... ce que va être la suite, je sais pas si on va aller voir Sierra. je sais pas si on va aller voir. Comment ça s'appelle, Clara Lille, voilà. Elle s'appelle Clara. Je sais pas si on aura la chance d'aller la voir. Il y avait vraiment quelque chose entre elle et moi, je le sens. N'importe quoi. Allez hop, on a qu'un petit peu tout ça pour faire le bazar. Oula, d'accord. Génial. Ouh là là. Ouh là là, mon dieu. Alors, je regarde en même temps, parce que c'est la première fois que j'enregistre avec. Donc, pour savoir s'il n'y a pas d'autre bruit qui intervient. Mais non, en fait, le bruit du micro va être vachement... Ça va vous faire bizarre, d'ailleurs. Ça va vous faire bizarre, mais ça va être mieux pour vos oreilles. Vous allez voir. Donc là, apparemment, faut monter en haut. Alors, je suis jamais allé par là-haut. Ah, faut peut-être aller voir sa sœur. Oh, pardon, madame. Ah, faut voir le cimetière. Ce souvenir. Ah, c'est le cimetière où il y a la nièce d'Ada. Dada. Là-dedans. Donc, c'est là-bas qu'elle est. D'accord. Eh ben, allons-y. Allons-y. Alors, j'espère qu'elle a une belle pièce tombale. Ah oui, d'accord. Bon, allez. Petite séquence émotion, les abonnés, c'est parti. Tu sais qu'il laisse tout le temps des fleurs? Non. Cette petite a beaucoup d'amis. Avait. Il faut que je passe à autre chose. Je sais. On a tous vécu un vrai cauchemar, mais... il faut vraiment que t'arrêtes de remuer tout ça. Je remue rien du tout. Hayden. Je sais ce que tu fais. Je sais que tu recherches les gens responsables de tout ça.
Mais tout ce que tu vas obtenir, c'est que tu vas encore nous mettre en danger. Vous n'êtes pas en danger, puisque je vous protège. Non, mais tu t'entends parler. Aiden, pourquoi est-ce que t'arrêtes pas? Parce que... Il faut que je sache. Tu es mon frère. Et je t'aime. Mais Jackson, c'est toute ma vie. J'hésiterai pas une seule seconde à t'abandonner pour le protéger. Promets-moi que tu vas arrêter. Tu peux plus rien pour Lena. Je l'ai tué. Non, c'est faux. Je t'en veux pas. Mais promets-moi que tu vas t'arrêter, s'il te plaît. Promets-le-moi. Au nom de notre famille. Je te le promets. Lena est morte et je peux rien y changer. Mais comment je peux oublier tout ça? Eh bien les amis, ça annonce... D'accord, des remords. D'accord. Je crois que t'as un problème. Y a un mec du stade qui a survécu. S'il se met à parler, tu seras identifié. Il a survécu. Comment c'est possible? Bah, j'imagine qu'il est pas mort. Mais t'inquiète, hein, j'ai un plan. Retrouve-moi à Gorman Heights, sur le toit. D'accord, bon, alors on a appris qu'en fait Eden s'en veut beaucoup de la mort de sa nièce et du coup c'est pour ça qu'il veut absolument protéger mais au risque de perdre plus que ce qu'il va en gagner. Donc voilà, donc et ben là il y a Yang, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, il y a Monsieur Yang, comment il s'appelle? Enfin le chinois, on va l'appeler Jackie Chan, voilà. Excusez-moi, je me rappelle plus de son nom, j'étais concentré, donc j'ai pas fait gaffe. Donc qui nous a dit qu'il y a un survivant et il faut aller, bah, de toute façon vous l'avez entendu. Donc on va aller sûrement rafraîchir le mec qui est encore vivant et puis voilà. Alors, on va être par là-bas. Bon, j'ai pas pris non plus la voiture la plus rapide du monde. Donc ça va être un petit peu long. Alors comme ça va me permettre de vous parler un peu de la rentrée. Donc à la rentrée je vous ferai une petite découverte sur FIFA, attendez, juste que je regarde cette carte. Je suis où? Moi je suis là. Je suis là et faut que j'aille. Attends, je suis où? Je suis ici. Et en fait, il faut que j'aille sur la route là. Donc en fait, ouais, faut que je descende. À la rentrée, il y aura du FIFA 15 découverte, donc ça sera une première sur PC, puis peut-être plus tard je le rachèterai ou j'achèterai sur PC, je sais pas. Pour l'instant, c'est sûr qu'il y aura du FIFA 15, une découverte. Il y aura... Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes l'objectif d'une autre région. Oh merde, fais chier. Bon. Il y a quelqu'un qui est en train de me pirater là, les mecs. Ça ne va pas. Alors ça c'est un peu chiant parce que ça peut arriver n'importe quand, à n'importe quel moment dans le jeu. Donc c'est Watch Dog. C'est un petit peu le... Donc attendez, on va vite le trouver. Ça va pas être bien compliqué. Ça va être pas bien compliqué. Alors comme quoi... Moi qui... Alors, où est ce petit hacker? Où est ce petit hacker? Moi, je parierai... Ok, hein, le mec, il s'est amusé à faire un blackout.
Alors, où est ce petit hacker? Je parierai par ici, tiens. Pourquoi il y a une voiture? Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est par là. Ou par en dessous. C'est quand même étrange. Où est ce petit hacker? Ah, j'ai beau le chercher, je ne le trouve pas, les amis. Je crois qu'il va réussir à me piquer mes données. Où est ce petit hacker? Il doit être par là. Mais où? Il doit être par là, mais où? C'est quoi son problème? C'est merde. Je vois pas du tout où il peut se cacher, hein, les amis. Alors. Ah, l'enfoiré, il était là. D'accord. Bah, super. Ça, c'est juste un peu relou, en fait. C'est sympa dans l'idée, mais... Mais en fait, il était caché où? D'accord. Ok. Super, j'en ai rien à foutre. Non, ça m'a un peu saoulé, quoi. D'ailleurs, on peut pas désactiver ça dans... En ligne. Intrusion en ligne, voilà. Hop. Ok, une voiture, voilà. Comme ça, au moins, les amis ne seront plus interrompus en ligne. Alors, au début, c'était sympa, en fait, la première fois. Alors, là, c'est sympa. Alors, hop, hop, hop. Attendez, on va essayer de lui choper le portable avant qu'elle me dénonce. Allô. Merci. Voilà, merci, me pas de mal. Sale connasse. Bon, on revient de sortir d'un hacking, on pique une bagnole et elle va appeler les flics. Ça va pas se passer comme ça. Alors, donc oui, je disais que ce truc est sympa, mais juste un peu relou quand vous le prenez 5 à 6 fois d'affilée. Voilà. Donc, on va peut-être arriver à aller à cette fameuse mission. Donc faut aller tout droit, les amis. Faut aller tout droit et tourner à un moment donné. Alors où? Je ne sais pas du tout. Par là. Alors là, je sais pas où je vais, mais j'y vais. J'aimerais retourner si vous... D'accord, ici, d'accord, il y a des accidents. Il y a... qui est complètement pété. Ah ouais, c'est énorme. Ouais, c'est bah, bon. Passe-moi ta voiture, j'en ai besoin. C'est pas que ça commence à me saouler. Alors, dans cette mauvaise ambiance, les amis, comment faire pour... non, mais faut... Ah ouais, faut vraiment que je... Je peux reprendre par là-bas. Ah ouais, faut aller là, c'est pourtant pas la mer à boire. Ouais, on va faire demi-tour et puis on va faire comme en fait on aurait dû faire depuis tout à l'heure. Voilà, continuons de parler pour 2015, le temps de faire ce petit trajet qui est fort bien relou. En 2015, pourquoi en 2015 je parlais de septembre, mais c'est pas grave. Alors pour septembre, les amis, je voulais attaquer du Destiny, mais le problème étant qu'il y a tellement de jeux qui sortent que, à mon avis, Destiny, on le fera plus tard, c'est pas grave. De toute façon, on aura du FIFA, il y aura du Forza Horizon 2, normalement, si j'ai l'argent. Mais à mon avis, il n'y aura pas de soucis. FIFA 15, il y aura PES au mois d'octobre, il me semble. Il y aura du WWE 15. Alors, j'ai vu une image des graphiques. Franchement, même pour ceux qui n'aiment pas le jeu de catch, vous allez juste trop kiffer. C'est magnifique. C'est Take-Two qui fait ça. Donc ceux qui font NBA 2K14, voilà, NBA 2K15.
Et franchement, le jeu est badass, quoi. Il est magnifique et il n'y a juste rien à dire. Le jeu de catch, je vous le ferai, peut-être faire une carrière suivie. Donc je vais peut-être... faut que je finisse absolument MXGP pour septembre. Ou courant septembre aussi, ça, si on est vraiment décalé. Voilà, il y a vraiment pas mal de jeux qui sortent et il y aura de quoi faire. Il y aura vraiment de quoi faire. FIFA World, faudra peut-être que je l'arrête un de ces quatre, peut-être fin jusqu'en septembre, puis on arrêtera là. De toute façon, on fera FIFA 15, donc voilà, ce sera beaucoup plus intéressant. Puis on aura fait le tour un peu du FIFA World, hein. On a vu ce qu'il y avait à voir. Je vous ai fait quelques bons épisodes. Je viens de répéter quelques bons 5 ou 6 fois, mais c'est pas grave. C'est tout, moi, cracher Luffy, voilà. Alors, la mission s'appelle « On va bien manger chinois », c'est ça? Ce soir, on mange chinois, excusez-moi. Allez, c'est parti. Alors, ce soir, on mange chinois, acteur. Toujours pas l'acte 2, hein, les amis. Jordi, c'est son... Alors, Jordi, voilà, Jordi. Mais au moins, je le connais. Dans d'autres circonstances, je serais peut-être à ses trousses. Ou le contraire. Mais s'il me dit qu'on a un problème, je dois me préparer à la pire des catastrophes. Il me restera plus longtemps à vivre si je laisse ce survivant m'identifier. J'avoue. J'avoue que tu risques de passer de un sale quart d'heure, mon petit Hayden. Alors, comment faire pour monter? Alors, je suppose qu'on peut pas ici. Ici. Ouais, parce qu'on est un peu comme Assassin's Creed, vous voyez. Ouais, et voilà. Normal, quoi. Ah d'accord, il les a déjà trouvés. C'est qui ça? Bah, ils habitent ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, la sécurité de l'immeuble est super pointue. Du coup, des gens comme eux, ça se sent à l'aise. Pour te dire, ils avaient rien d'autre qu'une petite chaînette à leur porte. De quoi regarder la tête du livreur de pizza avant d'ouvrir, tu vois? D'accord, d'accord, je vois. Et à propos du problème? C'est pour ça que j'ai pris ma grosse pince. Un peu sa porte, il y a la chaînette, je mets la grosse pince et quick. Et là... Surprise, ce soir on mange chinois. Jordi, le problème, c'est qu'il faut s'en occuper. Mais on s'en occupe, c'est ce qu'on fait. On nage dans les solutions, là, Pierce. J'ai bien l'impression que t'apprécies pas vraiment ce que je fais pour toi. T'imagines pas une seconde tous les services que je te rends. Et ça, c'est pas bien. Vraiment? Ouais. Si tu veux me rendre service, mets-toi au boulot. Combien de temps on a? Pas des masses, à vrai dire. Oh, tu te souviens du cadavre? Tu sais, celui du stade. C'est plus vraiment un cadavre. Les flics l'ont envoyé au correctionnel de Chicago et il va bientôt entrer dans une salle d'interrogatoire. Tout ça pour pointer son gros doigt directement sur toi. Et comment c'est possible, ça? Et voilà qui recommence. Regarde cette vue. Tu vois, là? J'ai reçu un coup de fil ce matin. Quelqu'un a payé une sacrée fortune pour choper ce clown et le faire parler. Et l'un de ces types dirige la mission. D'accord, je vois. Il faut que j'aille lui parler, c'est ça? Oui, mais cette fois, essaie de pas faire le coup du flingue vide. Ce pauvre Maurice s'est pissé dessus après ton sketch. Chacun ses méthodes. Tu sais te servir de ce truc? Allez, bouge ton petit cul, je te couvre. Ah, et essaie de pas tuer le boss cette fois. Il peut être utile. Sans blague. D'accord, ok. Bah ça, ça a l'air sympa. Alors, il faut aller... Bon, on fait ça vite, d'accord? Par là-bas. Du balcon commence à... Merde. Ah, j'ai voulu prendre un raccourci, mais le raccourci était un petit peu bas, les amis. Comme quoi, faut pas prendre un raccourci aussi haut. Alors, hop, par ici. Et voilà, donc dans l'eau. Cette fameuse eau magnifique. Ah, la vue est somptueuse. Alors on peut remonter par là. Ouais, je pense que je vais passer par ici, ça va être moins capté. Alors hop, mais vous me connaissez, hein, moi l'indiscrétion, enfin plutôt la discrétion, me, je ne connais pas. Donc, ouais, on va courir, parce qu'on n'a pas que ça à faire.
J'espère que je cours dans le bon sens parce que sinon on sera un petit peu ridicule quoi. On va aller par là-bas. Or j'espère que ça. De quoi qu'est-ce ici? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est parti les amis. Alors, voilà, c'est bon. Oh bah la porte s'ouvre toute seule, ok, nickel. Mais non. Comment on fait pour s'accroupir? Se cacher derrière. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà, c'est A. Faut pas oublier, c'est le bouton A, les amis. C'est le bouton A. Alors, soit on y va discretos. Attention, le mec est peut-être piégé. Soit on y va la bourrine. Je ne sais pas. Pour l'instant, je pense y aller à la bourrine. Allez, voilà. Hop, lui c'est fait. Donc lui c'est fait. Donc là il y en a un. Attention, pire, s'il y en a un qui se sent courageux. On va essayer d'infiltrer les amis. Ça va être chaud. Ça va être chaud, je regarde le radar en même temps. Faut vraiment faire attention parce qu'il y a vite fait de se faire gauler. Vous voyez tous les points rouges, j'arrive quand même à passer au-delà. Chamier répète tout le temps la même chose le type. Comment faire pour pas se faire gauler? Normalement on a non c'est pas ça. Vas-y va voir. Voilà. Bon, nickel, il l'a tué. Alors comment faire pour Alors, apparemment faut que je hack ça. Alors faut aller là-bas. Alors ça rajoute toujours du challenge hein, au truc. Donc ça peut être sympa. Ou pas. Ah, il y a une caméra ici, ça va me servir. Je vais me planquer, comme ça on me prend. Je suis bloqué, Pierce. Je vois rien d'ici. D'accord. Ok. J'ai pas voulu faire ce qui est arrivé, les amis. Mais bon. Alors, ici. Ah, voilà, dévoilé. Allez. Et là, on peut passer. Si on ne se fait pas gauler. Donc, c'est parti. Voilà. Là. Nickel. C'est bon. Je crois qu'il va mal se passer pour toi. Attends, arrête. Qui est sur le coup de la prison? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas de quoi tu parles. Lance Brenner. Comment elle va ta petite famille? Qu'est-ce que tu me veux, putain? Je te demande comment va ta famille. Oh, j'ai bien l'impression que t'as une double vie, toi. Père de famille, des gosses bientôt à la fac. C'est cher, ça, pour un syndicaliste. Je t'emmerde. Et puis, il y a le reste, aussi. Des comptes fantômes, pleins à craquer. Hey. Est-ce que t'es au courant que ton nom est lié à tout un tas d'affaires classées? Ça intéresserait les flics, tout ça. Ok, attends. Tu veux du fric? Je t'en fais une partie si tu veux. Ça y est, je m'emmerde. Ok. Putain. Le coup de la prison, c'est Angelo Tucci. Il dirige un convoi, mais c'est trop tard, tu le retrouveras jamais. C'est pas lui que je veux. Il a de la famille en ville, non? Tu lui veux quoi, sa famille? C'est quoi ton putain de problème? Ça serait trop long à t'expliquer. D'accord, les amis. Oh bah, quelle ambiance! Réveille-toi, Pierce, s'il en arrive d'autres. Y'en a beaucoup. Pas mal, ouais. Oh merde.
D'accord, bah là il y a carrément un hélicoptère, les amis. Je crois. Voilà, nickel. Je crois que les amis, là, il va y avoir de la baston. Oula, attention, on peut mourir. Donc on va se cacher un petit peu. Alors là, il faut faire très très attention des soins. À tout moment, on peut y laisser la vie. Et je n'ai pas envie. Voilà, alors je crois qu'il faut. Voilà, rester appuyé là-dessus. Bon. Pour le moment, j'arrive à gérer un peu la situation. Faut voir comment elle évolue. Voilà. Si j'arrive à gérer un petit peu les deux côtés du truc, ça va aller. Faut juste qu'il me monte sa petite tête. Et voilà. Alors c'est bien parce qu'en fait l'hélicoptère me fait de la lumière, du coup c'est plutôt assez cool. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, je suis mort. Je suis dégoûté les amis, je suis mort comme un caca. Réveille-toi Pierre, s'il en arrive d'autres. Il y en a beaucoup. Pas mal, ouais. Oh merde. Donc faut qu'on y arrive. Faut qu'on y arrive à sortir d'ici. Faut qu'on arrive à sortir d'ici, les amis, en un seul morceau. Alors là, je vais essayer cette méthode qui court si tu peux, mais cours vite. Alors, mais à mon avis, ça va pas donner quelque chose de terrible. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais y rester. Ouais, ça va pas donner voilà, bien ce que je pensais. Ah si, bah ici il y a un escalier, pourquoi pas. Si ça peut me permettre de fuir comme un lâche. Ah oh, bah, nickel. Nickel. Tu me connais? Ouais, je te connais trop bien même. Vas-y, je finirai. Nickel les amis. Je sais pas pourquoi, mais il y a une voiture qui est derrière. Allez. Hop, dégage s'il te plaît. Allez hop, on fuit. On fuit, on fuit. Alors là, ça va être très très chaud les gars. Ah. Ouais, c'est le... Merde, j'ai voulu pirater l'hélicoptère, mais... Alors là, ça va être assez chaud. Viens de là. Oh, d'accord, alors, ma voiture est une voiture qui soulève des grosses saudis, c'est assez cool. Hop là, hop, par là-bas. Ah, ici. Alors c'est vrai que la conduite est assez arcade parce que franchement, je sais. Je suis en train de tourner en rond, c'est vraiment pas mal. Ouais. Allez, par ici. Ouais, je conduis vraiment très très mal. Je fais n'importe quoi. Alors, il va falloir que j'arrive quand même à un moment donné à... D'accord, il compte démonter toute ma voiture comme ça ou... Ça se passe comment? Pousse-toi, toi. Pousse-toi avec ta grosse bagnole. Merci. Voilà. Et voilà les amis, voilà là comment on s'en sort d'une situation désespérée. Faut dire qu'elle était pas si désespérée que ça, parce que vu l'IA comment... Alors là, ma voiture est magnifique. Il n'y a plus de capot. Voilà, nickel. Mission accomplie. Ça, c'est du bien joué. Donc on va éteindre la radio quand même, c'est un peu chiant. T'as oublié de me rappeler? Ah, Clara. Ouais, je te raconterai tout ça. Écoute, faut que je trouve quelqu'un d'autre. Mais j'ai un nom ce coup-ci, Elena Tucci.
Elle est liée au type que je cherche. D'accord, elle vit à Chicago ? Ouais, j'ai besoin de savoir où la trouver. Alors... C'est bon. Waouh, elle a une sacrée empreinte numérique. Ok, ce matin, elle a publié quelque chose à propos d'un rendez-vous devant la Willis Tower. Super, je te rappelle quand j'y serai. J'aurai peut-être besoin d'aide. Eh bien, les amis, le prochain épisode risque d'être fort... Fort sympa, on va rencontrer une jolie demoiselle peut-être. On verra ça. Hop. On va s'arrêter ici. Et on se retrouvera à l'hôtel comme d'habitude pour le prochain épisode. Voilà, donc on a mangé chinois apparemment. Dans l'autre mission. L'arbre à compétences. On a oublié. L'arbre à compétences, il faut pas oublier. J'ai combien de points? J'ai 3 points. Avec 3 points, qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois que ça peut être intéressant. La meilleure la rapidité où vous changez d'arme. Ouais, bof. Résistance aux balles. Ouais, je prends. Ça va vraiment m'aider. Et puis, il me reste... ça, il me semble que j'ai déjà. Ouais, faudra voir. Faudra voir avec plus de points, parce que là, j'en ai pas assez. Voilà. Bon, mes amis, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi, que le micro a bien marché, ça je verrai sur le montage. J'espère que le son va pas trop vous choquer. Le son est d'une qualité pure, normalement. C'est-à-dire qu'il y aura plus trop de grésillement, pas trop de... Vous verrez, je verrai. Vous me ferez des retours dans les commentaires, n'hésitez pas, voilà. Je fais un petit coucou à tout le monde encore une fois. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt dans cette magnifique ville de Chicago. Voilà tout le monde. Allez, à bientôt pour la suite de notre aventure sur Watch Dogs. Salut tout le monde.